On est rendu chez Alex, semis de colza. Il a eu de la chance, il en profite là. Il a eu des orages l'autre jour. Vous voyez, il y a de la fraîcheur. Là, c'est nickel. Parce qu'il n'est pas prévu d'eau vraiment. Peut-être demain, mais c'est pas sûr. Alors, il profite de cette fraîcheur parce que là, c'est impeccable. C'est compliqué cette année avec la sécheresse pour avoir des bons créneaux. Bon, chez moi, j'en fais pas, mais Alex, il est sur ses derniers allers-retours. Et ouais, il a eu 25 mm en tout, là, juste le week-end avant le 15 août. Là. C'est impeccable, ça. On aurait bien aimé avoir ça, mais nous, on a eu que 7. 5, 1 et 1. Alors, il fait ses derniers passages et là, c'est le top. Il travaille au GPS maintenant. Vous l'aurez sûrement vu sur sa vidéo. C'est un FJ Dynamics. Et il y a quelques écarts là, on a vu, mais c'est 2-3 cm. Surtout en colza, ça se verra pas. Et au final, c'est nickel. Bon, on poussière un peu, c'est normal, c'est là, en surface. Ça a été compliqué les préparations de sol, comme il m'a dit, et c'est vrai que avec la sécheresse du mois de juillet jusqu'à des mi-août, là, un peu compliqué. C'est pour trouver les créneaux, c'était trop sec, trop dur. Il a juste à tourner en fait au bout pour faire sa manœuvre et sinon il touche plus le volant dans les lignes. Et ce qui est bien là, comme il me disait, il n'a pas pu faire le deuxième passage de disque parce qu'il avait passé en sale secoue parce qu'il avait passé juste le déchaumeur à dents. Mais comme son semoir est équipé d'un déchaumeur à disque, il fait le passage juste avant de semer, c'est impeccable parce que ça lui permet de détruire. Là, il y a quelques carottes sauvages. Quelques carottes sauvages, des chardons, divers herbes. Et même, j'ai vu là, il y avait des grains de blé qui n'avaient pas germé et qui viennent de détruire là. Vous voyez les disques devant là, c'est comme un 4 os en fait qu'il a devant son sinus, cyrus. Et après c'est un semoir à disque. C'est l'avantage, c'est que ça lui nivelle son sol. S'il avait passé en biais comme ça et il sème dans l'autre travers. Normalement il aurait passé son déchaumeur à disque dans ce sens et comme ça il aurait semé sans se secouer. Mais bon, c'est pas évident cette année de faire des travaux de sol. Là je le vois, il faudra urgemment que ça tombe de l'eau au mois de septembre pour préparer pour les blés parce que les faux semis c'est compliqué cette année. Et là, il est sur son avant-dernier passage.